Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis pas toute seule. Bonjour. Alors, vous connaissez peut-être pas encore sa tête, peut-être certaines d'entre vous la connaissent déjà. Donc, c'est Sylvie, la boutique Pick & Patch, là où j'achète la plupart de mes tissus pour le cartonnage. Donc, aujourd'hui, elle est venue de sa province. Pays du Champagne. Voilà, pays du Champagne de Reims. Elle a fait toute la route, 2 heures de route pour venir me voir dans ma campagne, dans le nord. Voilà, pour qu'on fait une petite journée création. Donc, on va faire du cartonnage ensemble. On vient d'abord de manger. Voilà. C'était très bon au passage. Voilà. Ils ont fait des boulettes sauce lapin. Miam, miam, miam. Je crois que je vous ai déjà fait la recette dans les vidéos, il faudrait que je regarde, ou alors je vous mettrai la recette dans la communauté si vous la voulez. Voilà. Donc aujourd'hui, donc on va se faire une petite boîte livre. C'est ce qui est le plus rapide à faire, parce que sinon on va passer 15 jours en vidéo pour faire la boîte. Donc Sylvie a choisi ses tissus, elle va nous montrer les tissus qu'elle a choisis. Voilà, des petits imprimés pastel de sa boutique. Tout d'abord un verre à petit poire, du coup je sais pas comment tu peux faire pour qu'on voit, voilà. Et puis un petit imprimé géométrique qu'on retrouve souvent dans les mêmes tons. Et voilà. Qu'on trouve sur ta boutique en voilà, ce moment. Voilà, que j'ai encore, voilà. Voilà, donc en petit coupon bien sûr. Voilà, donc vous pouvez aller sur sa boutique, il y en a encore. Et moi, j'ai pris des fonds, je ne sais pas quoi faire. Donc, il va y avoir du noir qui vient de la boutique de Sylvie. Donc, vous l'avez déjà vu. Alors, je ne sais pas si on va voir le dessin. Il est épuisé en plus. Il est épuisé ouais. Bon, alors, il n'y en a plus. Tant pis, c'est moi qui ai le reste. Donc, il y a des petits reflets, un peu, c'est du nuage. C'est un genre d'arabesque. L'arabesque, nuage, oui. Voilà. Donc, je vais sûrement utiliser celui-là. Et ça, c'est pas chez toi. Non. Désolée. Pas grave. Je fais des infidélités des fois. Celui-là, vous l'avez déjà vu, j'ai fait la commode avec, j'ai fait aussi une boîte livre que j'avais fait gagner au salon de... Carvin. Voilà. Et y aura du comme ça aussi dedans. Voilà. Donc là, moi, j'utilise mes fonds de tissu pour l'instant pour le faire. Et donc, on va attaquer. Alors, pour que vous nous voyez, je vais faire comme d'habitude, je bascule le téléphone pour que vous voyez nos petites mimines travailler. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on va démarrer. Alors, Sylvie, elle va mettre du molleton sur son couvercle. Moi, je ne vais pas en mettre là pour le... Enfin, je ne sais pas, je vais voir. Moi, comme d'hab, je fais à l'arrache. Donc... Tu vas couper ton molleton, tu mesures. On prend coupe à l'arrache aussi, fait comme moi. Ça, c'était pour caler des choses dans un colis. C'est bien de caler dans les colis. C'est fournisseur. Ils ont raison, tes fournisseurs. Attends, de toute façon, tes doigts, ouais, tu fais peur. Ne coupe pas mes doigts. Avec tes cutters, des fois, là. Ça gêne pas derrière? Non. Si non. Ça me fait un petit oreiller si j'ai envie de dormir. Donc tu le colles avec. Alors du, là, tu mets du double face. J'ai envie de l'utiliser. Bon, bah, mets le grand. Mais celui-là. Voilà. Donc voilà. Elle veut mettre le grand, le grand. On va pas la contrarier. Hein. Bah, pour moi, le fin, ça va pas aller. C'est trop. Bon, moi, je vais mettre du fin. Et toi, tu mets le gros. Voilà, comme ça, on verra la différence. Peut-être quel signe? Sagittaire. Ah oui, bon, c'est pour ça. Donc, ne dis pas qu'on est têtu, les Sagittaires. Le plus compliqué, c'est de trouver le début du rouleau. Parfois. Elle trouve pas le bout. T'as pas besoin de couvrir complètement la surface. Hein. Non, tu laisses un 2 mm. Bon, pourquoi dans un sens il coupe, dans l'autre sens il ne veut pas se couper. J'ai pris la base au lieu de prendre le couvercle. Non, c'est rien, c'est la même taille. Ah, hop.
Donc, on va vous faire les déversions. Bon, moi, vous me voyez moins, mais bon, vous me voyez assez hein, tous les jours. C'est mieux de voir Sylvie. Oui, c'est ça. C'est une diva. La vengeance sera terrible. Même pas peur. On t'en aurait mis deux, ça aurait suffi. Hein. Ça suffit. Ouais, ce que j'ai fait. Mais là, maintenant, t'es obligé d'en mettre un petit ou un coupé. Tant pis. Vous voyez, moi, c'est plus light. Toujours une surépaisseur pour assurer la chose, mais ça c'est. Tu remarqueras pour les cheveux. J'ai pris les lunettes, mais pour l'instant, me servent plus de serre-tête. Ouais, elle a des yeux dans ses cheveux. Bon. Ah, ça c'est. Le problème, tu arrives à trouver le. Pour trouver le bout. Tu places ça, puis après tu recoupes en oui. Biais, c'est ça. Donc les filles, ne me demandez pas les dimensions maintenant, vous inquiétez pas. Depuis plusieurs mois, je dois vous faire le tuto. Je vais vous le refaire. Hein. Là, tu l'avais déjà. Oui, mais il est en live, les filles le veulent en. Ah. Non. Vidéo spéciale, juste le tu tuto. Tu coupes en biais, hein, c'est oui. Ça. Alors, c'est bien le molleton, mais ça s'accroche au ciseau. Bah, celui-là, enfin, c'est pas vraiment du molleton. Je sais pas de quoi. Enfin, je me demande à quoi ça leur servait. Attends, je vais mettre la poubelle au milieu. Oh bah sinon je mets tout dans mon sac. Oh bah. Je retrierai après. Si tiens. Hop. Voilà. Au moins ça parce que ça colle. Alors notre défi, faire une boîte en moins d'une heure. On le fait. C'est pas gagné. On accélérera la vidéo, hein. C'est pas grave. Ça 30 minutes. D'ailleurs, faudra que tu m'expliques. Comment on accélère. Comment on accélère une vidéo. J'appuie sur la pédale d'accélérateur. Voilà. Donc, vous voyez, moi, il est tout plat. Elle gondole un peu plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi-le. Je n'ai pas coupé droit. Non, non, c'est pas ça. Je ne sais pas, il y a, Mais comme c'est pas vraiment du molleton, ça, ouais, c'est ça servait à caler dans des colis, c'est pas... Alors, celui avec le molleton, il va en haut. Ok, tu laisses quoi comme marge? Bon, 4-5 cm. Voilà. Sachant que ça, c'est caché, je peux le laisser. De toute façon, c'est la lisière. Oui, oui. Pas... Voilà. Donc, après, il y aura... Il faut appuyer dessus pour voir... C'est parti, ma charnière. Donc, il faut appuyer dessus pour voir l'écart, à peu près... Bah, tu peux le mettre avec ça aussi. Ouais. Oui, mais bon. Ouais, c'est ce que ça je fais. Mais moi, je le fais à l'œil. Ouais. Mais tu as l'habitude aussi. Voilà. Ah oui, donc à la rigueur. Ou tu colles tout de suite et puis après, bon, tu. Après, tu règles celui-là. Allez, on va coller la charnière. Hop. J'essaie de pas baver partout. Alors, j'ai hâte, c'est d'aller boire le café après. Parce que Sylvie nous a ramené une tarte poire chocolat. Poire chocolat. Poire chocolat. Miam, miam, miam. Au four à 6h30 du matin. Ouais, elle nous a fait une tarte à 6h30 du matin. C'est pas beau, ça? Ça, t'en as assez. Il y en a assez. Oui, regarde, voilà. Je vais me mettre là-bas. Donc, tu colles.
Bah, tu vois, avec tes bidules, là, tu te repères pour être droite. Oui, mais ils sont pas droits, justement. C'est ça, le piège. C'est que c'est pas un motif passé régulièrement. À vue de nez. Oui. Au pif. On va dire ça. Donc, ce que tu peux faire quand c'est comme ça, pour être sûr que ça gondole pas, tu retournes ton tissu. Tu prends un des sopalins propres que je t'ai donné. Et voilà. Ça enlève les plis. Mais tu sais qu'à l'éclat vert, il y a un petit carré. Mmh. Le carré, un petit pavé de lissage. Ouais, mais ça, c'est gratuit. Oui, bah aussi, tu payes l'essuie-tout. Ouais, mais ça coûte moins cher. Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et après, tu mets ton fond. Alors, je vais mettre d'abord celui d'en bas. Ouais. On mettra l'autre en dernier. J'ai... Sortez pas, je l'ai perdu. Il est là. Allez, de la colle. Bon, comme d'habitude, les filles, je tousse, mais je suis pas malade. Hein. C'est la cigarette. Elle l'a vu que je fumais. Hein, donc, j'ai un témoin. Ah, chacun, chacun ses défauts. Si, c'est un défaut. Oui. Juste une addiction. Je m'arrête quand je veux, hein, la nuit, quand je dors. Je vais sortir parce que j'allais sortir une connerie. Il ne faut pas se retenir. Maîtrise de soi en toutes circonstances. Alors. Attends, mange-toi. Ah, oh, ça sent l'amande. Ah oui, pas comme la colle d'action que j'ai dit hier. Ouais, ça sent le stylo, là. Parce que, ah oui. Puisque tu n'as pas encore regardé la vidéo. Ben non, du coup, je suis en retard. Elle pue. Ah. Elle pue. Alors, attends, c'est lequel que j'ai utilisé? Celui-là. Sens-moi ça. Ah ouais, ça sent le vieux feutre, le vieux marqueur. Je sais pas, ça sent le vieux rat, je n'oserais même pas dire quoi. Je pense à quelque chose, mais je n'ose pas le dire en vidéo. Mais... T'as les oreilles chastes. Un vieux truc pas lavé. J'ai un peu trop appuyé. Il n'y avait pas de bulle, je me suis mis. Tu ressoulèves un peu si ça... C'est ce que j'ai fait, oui, pour enlever le... Comme quand on fait du papier peint. Voilà. Bon, moi, j'aurais dû repasser mon tissu avant, mais bon, tant pis. Alors, là, du coup, on ne le colle pas, celui-là. Hein. Je vais juste couper mon tissu en trop, maintenant. Je coupe au pif. Oui, au pif, 5 cm. Je fais tout au pif, moi. Bon, généralement, parce que sinon, je rate. C'est comme pour faire à manger. Bon, t'as pas fait ta tarte au pif, alors? Non. Mais j'ai l'habitude de la faire, donc j'ai la recette en tête, ça va. Ah bah, on est sauvés. Je laisse autant de main, je vais couper tout. Ouais. Non, je peux couper le rond, je ne sais pas le couper mon œil. Hein. Moi, ça va, j'ai les petits pois qui sont droits. Bon, je prends cela pour plus tard. Hop. Et tu vois, je prends le temps parce que j'ai horreur du tissu qui est arraché. Quand ils vendent du tissu qui est arraché, je ne suis pas peur. Alors, je vais déjà couper mes angles ici en bas. Donc là, tu fais... Hop. Les deux côtés. Au ras ou... Oui, au ras de ton carton. À l'intérieur. Oui, là. Donc, tu arrives là, à la pointe. À l'extérieur, quoi. Ouais. Ouais. Et après, légèrement en angle. Voilà, de l'autre côté. Et pareil. Il faut remarquer la différence d'utilisation des ciseaux. Un petit et un très gros. Voyez.
Bon, ça vient du même endroit, je le reconnais, le petit, j'en ai eu un, mais je l'ai pas gardé longtemps. Bon, moi, ça fait un moment, mais j'en ai un deuxième quelque part, mais où, je sais pas. T'as coupé en biais comme ça. Oui. Voilà. Ah, j'ai peut-être coupé un peu trop large. Là, si tu trouves qu'il y a trop de tissu en bas, tu recoupes. Hein. Ah. On jette ou on jette pas. Ah, c'est toi qui vois. Je sais jamais. Tu fais du patchwork, donc... Mais pour faire des petits blocs, voilà. Surtout que j'ai un ouvrage qui est en cours depuis je ne sais combien d'années, et qui a plein de petits morceaux. Moi, le patchwork, j'en ai fait une fois. C'était des carrés. Ça t'a pas... Si, ça me plaît, mais j'ai fait que des carrés. Donc, c'est à la limite. Oui, mais c'est plus simple, oui, voilà. Bon, pas faire un gros truc dès le départ. Voilà, donc là, ça va être plus compliqué, puisque là, il ne tient pas. Ah, il faut que tu vas faire l'écraser en même temps. Voilà, que tu vas l'écraser, tu coupes. Voilà. Ah oui. Bon, j'espère que mes marges, elles sont bonnes. Hein. Pour toi, c'est bon? Ça a l'air. Tu prends ça? Ça a l'air. Ça rentre dedans, donc ça va. Alors quand vous mettez du molleton, c'est ça, c'est un peu plus compliqué parce que on ne peut pas le coller. Et on ne pourra pas le fixer avec du double face, comme on a fait. Ça va se voir après dans le tissu. Ah. Ça risque de se voir. Voilà. Pourquoi t'as les poils qui sortent? Comme les cheveux blancs, ça commence. Allez, enfin, on va déjà, coller ce morceau-là déjà, comme ça on sera tranquille. Donc tu badigeonnes et puis voilà, tu badigeonnes le bord sur tes 5 cm. Ouais. Tu gardes ton pinceau à la main, parce que tu vas en avoir besoin. Et là, alors tu tires bien pour bien tendre. Je me dis plume. Ça y est, elle perd ses plumes. Ouais. Voilà, ce côté-là. Et bon. On en retourne et on refait la même chose de l'autre côté. Si je trempe dans l'eau, ça va pas le faire. C'est moins pratique pour tu fais coller. Toujours les petits côtés en premier. Ouais. Tu colles toujours. Ceux-là d'abord, ouais. Donc là, c'est plus facile. Je vais faire comme les gamins qui mettent un tablier parce que je suis sûre que je vais m'en faire. Elle veut une bavette. Il m'a dit quelque autre chose, mais ça va pas être comme dit Gérald. Pourquoi j'ai laissé un plus grand morceau? Ah, t'as pas eu peur? Bah oui, j'ai laissé. Oh oui, bah oui, parce que là, de toute façon, j'en aurais rien fait. Donc, j'ai laissé le surplus. Celle-là, du coup, se voit plus au séchage. Non, elle devient transparente. D'accord. Alors, on va toujours bien tenir celui-là, parce que maintenant, qu'on soit bien en face, voilà, et qu'il y ait toujours bien l'écart. Ah oui, moi, tiens, tu vois, j'ai l'impression que... Oui, ça revient dessus, c'est pour ça qu'il faut bien le tirer. Oui, mais j'ai l'impression d'avoir un décalage, du coup. Bien mettre la colle partout. Oh pff. Oui, je vais étaler. Ah oui, toi, t'as des grands Tu t'es fait des grands. 5 cm chez toi, c'est. Oh, c'est à vue de nez, hein.
c'est l'œil américain. Tu le vois quand tu plies. C'est bon. Ça c'est rien, si ça fait une, si ça fait un pli, oui, comme ça, ça on fera une fente. D'accord. Moi tu vois, je l'ai pas, mais c'est peut-être aussi parce que tu as mis beaucoup de tissu. Ouais. Donc on fera une fente. Et on fait pareil donc de l'autre côté. J'ai une table à tapisser si tu veux. Non merci, j'ai les mêmes, j'ai juste ce qu'il faut à la maison. Et comme c'est pas l'ordre du jour, on va éviter. Hein. Donc voilà, donc on va mettre. Pareil comment, chef. Bon là ça rien, on va mettre des angles ouais, après. Ouais. Non, il est très bien. Ça va. Donc, on va mettre des petites boîtes pour que ça prenne forme, comme ça. Donc, les petites boîtes d'action, là, comme ça, si vous les avez, c'est pile poil la taille qu'il faut. Hop. T'as pas besoin de marquer les... Non, pas... Les rainures... Tu peux, mais bon. Ouais, il marque aussi au tissu. Alors, forcément mieux. On va se les mettre... Ah oui, si je ferme pas la malle. La malle, c'est la malle. Malle. Ah, ah. Ouais, qui est facile à faire. Hein, celle-là. Alors, on va mettre la tienne sur la mienne. Hop. Ça va pas coller sur... Non. Voilà. Il faudrait que je mette quelque chose au-dessus. Pour faire du poids. On va mettre le mouton. Le rouleau, le rouleau de... Hein? Le rouleau de comme ça, c'est lourd déjà. Oui. Oui, bon, ça va aller là. Alors maintenant, à faire la boîte intérieure. Donc, je vérifie que j'ai bien tout coupé avant. Si jamais, des fois ça arrive. La preuve, là, je crois que j'ai coupé trop long, mais bon. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Oui, je sais pas. Ah oui, parce que tu mets à l'extérieur. Ouais, je mets d'abord cela. Ouais, ouais, voilà. Ah, tu mets ton petit côté voilà, à l'extérieur. Et puis hop, comme ça. D'accord. Voilà, ici. Donc c'est bon. Donc on va d'abord couper tous nos papiers. Tout d'un coup, comme bon, ça. Si je me trompe alors, pas. Alors 4 grands. 4 comme ça. 4 grands. Donc tu prends la taille. Mmh. Hop. 4 grands, 4 moyens. Tu coupes tout, tout avant, tu prends toutes les mesures. Je coupe tout avant, je plie tout ouais. avant. Donc ça. Moitié. T'en coupes moitié dans un sens, moitié dans l'autre. J'ai tout fini, non? Non, il fallait petit quand même. Je sais que je suis rapide, mais bon. Il y a plus de maîtrise. Maintenant, oui, j'ai fini. Oui, mais moi je les trie, tu vois, tu vois, c'est le petit côté, tu prépares les morceaux de ton bloc au patch, donc du coup... C'est les maniaques des patchworks, ça. Je vais lui chanter la chanson. J'attendrai... Ah bon, oui, tu vas attendre. Le jour pas, une flèche, hein. La nuit... J'attendrai toujours ton retour. C'est pas plus récent. Elle va s'en souvenir de sa venue chez moi. Voilà. Elle a voulu venir, c'était risque et péril. Ben ouais.
Bon. Dit, hein, tu l'as voulu, tu l'as eu. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va rincer notre pinceau parce qu'il y a de la colle. J'en ai un deuxième, moi. Ah. Oui, mais je, moi, je le ferai tremper après. Oui. Pour pas sur les... Moi aussi, j'en ai d'autres, hein, mais ils sont tous morts. Donc, du coup, là, on va commencer par placer les grands côtés. Voilà. Allez. Les grands côtés à l'intérieur, donc je mets le brillant devant. T'as pas besoin de... Non, ça, c'est un pour, les... pour l'intérieur. Eh ben oui. Eh ben... Là, tu le mets en dessous. Donc, c'est un qui est plié dans l'autre sens. Okay. Ça y est, tu le replieras. Ah non, ouais. Il y a de l'eau dessus, donc. Ouais. Lui, tu commences toujours par coller à l'extérieur. Okay. Oui. On va plus comme ça. La marque. Voilà. Je suppose que tu n'as pas de tout petit pinceau. Non, 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 ça, j'ai pas prévu. Ah. Alors, un pas trop pourri. Voilà. Pourquoi j'utilise un tout petit pinceau? Tu mets de la colle. Voilà. J'en mets sur le bord du carton. Là, là comme ça, là, pour ce qui touche l'autre oui. partie. Oui. Ok. Comme ça, on est sûr que tout, il colle bien. Je sais pas si j'ai pas voulu que ça lave, mais... Pas besoin de remouiller ton non non ton scotch si tu vas assez vite non, non, non je suis pas rapide. Mets-le bien au bord oui voilà. Mais c'est parce que j'ai une pâte en dessous et ça va pas c'est une pâte en dessous c'est à dire ah ben on va le tirer si ça te gêne enlève le panier parce que je suis en équilibre oui allez un papier à l'intérieur maintenant. Là, pas besoin de colle, puisqu'on a déjà mis. T'as pas besoin que ça soit détrempé, détrempé. Non. Juste faut... humidifié. Oui. Juste tu places bien ton angle pour... Voilà. Là, non, non, je croyais que tu avais fait une erreur. Que j'avais placé dessus. Je croyais que tu avais mis la tranche. Non, non, je croyais que tu avais fait la tranche à la place. Mais non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, c'est ça. D'ailleurs, elle est où la tranche? Bah, elle est sur la couverture. Ah, bah oui. Donc. Maintenant, on alors, fait pareil de l'autre côté. Je vais prendre le bon morceau. Donc on n'a pas fait la coupe de carton, hein, c'est pour que... Pour gagner du temps. Voilà, pour gagner du temps. J'avais déjà tout préparé avant. C'est pour ça que je vous dis les mesures, je vous les redonnerai sur une autre vidéo. En attendant, je vous remets le lien de l'ancienne vidéo qui remonte quand même le tuto de ces boîtes-là. Donc vous avez la vidéo au-dessus de nous maintenant. Allez, à l'intérieur. Papier qui dépasse, donc je vais les couper.
ça va pas. Je vais te donner le petit, ça ira mieux. Ouais, parce que ça va pas pour ça. Et ça y est, mon ventre, il se remet à gargouiller. T'as pas assez mangé ce midi? Ah, si. Je sais pas si vous avez entendu sur la dernière vidéo. Sur la dernière vidéo, on entend mon ventre. Voilà. Donc là, que je me trompe pas. Un plié intérieur. Un plié intérieur. Et tu places... En extérieur, toujours. Et là, on va mettre de la colle là, là et là. D'accord. Les deux petits côtés et en bas. Et on va faire les angles tout de suite extérieurs. Ça tient pas. Oui, mais ça va tenir avec les angles. Allez. Donc s'il dépasse comme le mien, c'est pas grave. Je vais te montrer. Donc là, quand tu colles ton angle. Là, tu tiens fort pour que ça que l'angle droit il se fasse bien. Et là, quand ça dépasse comme ça, un coup de ciseau au milieu. Ok. Ah, mince. Et puis tu les rentres. Non, ça va pas. C'est quoi qui va pas? Non, mais ça avait... Hein? J'ai trop appuyé, du coup, ça fait friser. Là. Ah, bah si tu nous fais une permanente à la boîte maintenant. Ça va pas le faire. Ça me plaît pas. Si ça plaît pas, on refait. De toute façon, ça tient pas. Peut-être qu'après, avec l'intérieur. Oui, oui, si, après, ça va tenir. Regarde-moi, ça colle pas encore. Ouais. Je préfère me placer comme ça que mettre. Ouais, après tu te mets comme tu peux, comme tu veux, hein. C'est ouais. Ce qui est plus facile pour toi. Alors, après on va mettre celui à l'intérieur. Bon, je vais plus vite, je vais trop vite pour Sylvie. Hein. Attends. Je vois ça, je surveille du coin de l'œil. Voilà. Bon. C'est pas. Oui, c'est bien. Oui, là, tu fais avec ton ongle, ça va se. Ouais. Donc, il reste celui à l'intérieur à mettre. Ah, oui, c'est vrai. Attends, du coup, je sais plus c'est lequel. C'est celui-là. Ouais. On peut faire tout un petit bout, voilà. Profiter de la vidéo en même temps parce que j'avais fait ta publicité pour certains salons. Ouais. Pour dire que tous les salons où Sylvie devait aller exposer, donc à Villefranche. Villars-Semeuse dans les Ardennes et Méru dans l'Oise. Voilà. Alors pour Méru et Villars-Semeuse, c'est reporté à l'année prochaine. Pour ce qu'on appelle la Biate à Villefranche-sur-Saône, on attend une nouvelle date. Voilà, donc pour l'instant, ils sont tous annulés. Enfin, ils... Voilà. Reportés ou annulés. Voilà. Donc, je vous avais fait la publicité, voilà. Mais bon, du coup, et là, ben, on doit faire celui de juin, toutes les deux, mais bon, oui. On ne sait pas encore. Ouais, j'en ai deux en juin.
Bon, juin est encore loin. Donc, je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai Vaux-sur-Somme et Mont-Saint-Barreul. Donc, nous, on doit faire celui de Mont-Saint-Barreul ensemble. Mais d'ici juin, on verra. Alors, j'espère qu'on sera débarrassé de tout ça. Pas celui-là. Pas celui-là. Ah, bah alors, je les ai tous pliés à l'envers, là. Ah, voilà. Ah, non, comment ils sont là. Comment vous réussir si on non, vous non. fait faire n'importe quoi. Non, non, ils sont là, ils sont là. Ils étaient cachés. Et après, le patron, il dit qu'il sait tout. Mais s'il fait des conneries, ça va pas. J'en ai juste fait en trop. Bon, tu veux rester collé, toi? Non, mais... C'est quoi, ça? On se fait même plus respecter par un bout de carton. Reste là. T'es resté à l'extérieur. T'es pas... Ça fait. Mais tu vois, ça, c'était à l'extérieur. Donc, c'était pas... Ah, t'as, t'as mis le papier de l'or dans l'autre sens. C'est ça? Non, c'était pas bien placé, là, tu vois. Ça. Oui. C'était pas à l'intérieur, c'était à l'extérieur. Oui, mais c'est à l'extérieur. Ah non. Depuis tout à l'heure, on les met à l'extérieur. Oui, mais non, t'as pas compris. Ça. Oui. Il est bien à l'extérieur. Oui. Bon, et moi, c'est ça que je mets à l'extérieur. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Moi, avoir compris toi. Voilà. On parle pas de la même façon, alors... Bah ouais, moi je parle chimie, elle parle je sais pas quoi. Champenois. Champenois. Comment ils parlent les champenois? Normalement. Elle veut pas nous faire le patois du la champagne. Fini. Ah non, j'en ai oublié deux. On le voit quand même assez vite à faire ces boîtes-là. J'ai l'habitude d'en faire aussi. Oui. Ah, ceux-là, oui. Ceux-là, je compte plus combien j'en ai fait. D'ailleurs, il faut que j'en fasse pour le salon. Oui. En espérant que le salon aura lieu. Parce que si je fais des boîtes et qu'il n'a pas lieu, là, je crise. Je ferai un salon sur ma boutique, les filles. Voilà. Tu peux pas faire de porte ouverte à domicile. Ouais. Une porte ouverte sur Facebook. Ouais. Donc, là, maintenant, on va faire tic-tic-tic l'extérieur. Non, bah, la décoration extérieure. Voilà, la déco extérieure. Du coup, c'est là que je change de tissu. Moi, je regarde laquelle j'ai de plus. Ouais, youpi. Oh, j'ai largement, c'est du 110 alors. Du coup, tu fais plutôt ton raccord derrière, c'est ça? Oui. Tu laisses quoi à peu près comme... Ben là, il faut qu'il soit entier, de toute façon. Ouais. Là, tu fais pour qu'il y ait 1 cm en dessous, à peu près. D'accord. Et là, tu fais pour que ça vienne là, à peu près. Ah oui, donc là, je laisse un peu plus. Qui est 2 cm. Ah non, là, c'est trop large, ça. Où elle s'en va? Elle s'en va à Paris au lieu de... Voilà, là, hop, voilà, comme ça, c'est bon. Là. Okay. Et là, tu coupes... Et là, tu reviens... Là, il faut que tout, il revienne là. Sachant qu'on peut décaler après pour... Oui, au milieu ou là, ça, c'est pas l'importance. C'est coupé, hein, si c'est pas bon.
C'est bon, chef? Non, c'est pas assez, ah, là. Merde. Voilà. Ah, bah, je peux couper à mon pli, ça va peut-être faire trop sur le pli, non? Ouais. Non, l'autre pli, là. Un peu après l'autre pli, ouais. Entre les deux, quoi. Ouais. Entre les deux, mon cœur balance. Ouais. Surtout que je sais pas comment tu fais, mais moi je sais pas couper droit. Tu fais du patchwork, tu sais pas couper droit? Ah, c'est vrai, au patchwork vous servez que de règles. Voilà. Mais le problème c'est que si tu fais ça au pif, après ça te décale tout. Tu prends ta tête 1 ou 2 mm au départ, mais au final ça te fait 1 cm et puis bah, tes blocs n'ont plus la même taille et ça rend plus rien. C'est fichu. C'est vrai en plus. Mm. Voilà. Et on va centrer. En toi, moi je suis plus large que toi quand même, mais bon. Je sais pas pourquoi j'ai fait plus large. Ah bah voilà. Ouais. Bah, du coup là, faut que tu sois pile poil, ça revient un peu dessus. Ou... Oui, mais non, tu recouperas un peu. Je recouperai un peu. Ouais, au moment que tu arriveras au collage, tu couleras. Ouais. Bon, ben moi, il faudra que je recoupe par contre. Je vais recouper. Tiens, c'est pas la. Ah, je vais perdre un morceau, bon, tant pis. Je garderai ma chute. J'ai une idée de quelque chose, de toute façon. Faire. Un bricolé avec. Ouais. Et tu en colles sur ta boîte? Sur ta boîte ou sur le tissu? Non, 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 sur la boîte. Tu commences par un petit côté. Un petit côté. Attends, j'arrive. Ah ouais. Je te gêne. Et c'est là que je vois, j'ai coupé assez trop. Non, ça va. Donc, hop. On va en coller le premier côté. Droit, ça se verra pas en marchant vite. Ouais. Je marche pas vite. Ouais. Maintenant on va le mettre à l'envers comme ça, le fond dessus, et on va couper les angles. Tu sais faire les angles? Oui, j'ai regardé tes vidéos. Je voilà. Pince et je coupe au bras. Voilà, tu pinces et tu coupes. Tu essayes de couper à 45 degrés. Voilà. Et là, on va coller. T'as coupé au ras, au ras. Oui. Non, je vais l'avoir collé le petit bout là qui. Ah oui. Comme ça, moi, celui-là, il est collé. Là, tu peux mettre de la colle sur le tissu. Hein. Ouais. De toute façon, c'est le fond, donc on s'en fiche. Après, je fais les côtés et après les grands côtés. Voilà. Ah non, là, faut pas avoir peur. S'en mettre sur les coins surtout, oui. Pour pas que ça s'effiloche.
J'en ai autant sur les Mac. Voilà. Tu dis s'il y a quelque chose qui te gêne, hein? Non. Tant que je tape pas, c'est que ça va. Maintenant, on va se mettre dans ce sens-là. On va couper nos angles. Là, les tissus. Je vais peut-être mis un peu trop partout. Moi, ça va coller. Qu'est-ce qu'il y a pas avec ton sopalin? Tu repères bien l'angle et puis tu coupes ton tissu dans l'angle. J'irai jusqu'au bout avec les petits après. C'est avec les grands, c'est pas... C'est moins facile. Et après, on va tout coller. Pareil, je colle par le petit bout d'abord là. Ouais. Mais si ton bout est trop grand, tu commences par les côtés. Moi, c'est parce qu'il est tout petit. Donc je commence tout de suite là. Mets bien de la colle dans les angles hein, là. Ouais. Travailler à plat, j'arrive pas à descendre. Toi, tu fais. Ça dépend, des fois comme ça, des fois à plat. Ça dépend de mon humeur. Et la vitesse du vent. Voilà. Et puis de la boîte. Ça dépend de la boîte. Voilà. Donc là, on a déjà habillé l'extérieur. Alors, toi, tu as déjà les intérieurs. Moi, je ne les ai pas, donc je vais me les faire. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas d'ailleurs, mais bon, je ne les ai pas. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas... Ah, on vient de faire une heure de vidéo.